Salut, c'est Emeraude, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo ouverture de coffrets. Donc ce sera les coffrets Viridium V. Je les ai trouvés en solde à Carrefour, ils étaient à un peu moins de 14 euros. Donc du coup je me suis dit bah pourquoi pas vous faire une ouverture. C'est vrai qu'en ce moment je ne fais pas beaucoup d'ouvertures, simplement parce que le nouveau bloc écarlate et violet, je le trouve pas très intéressant. Je trouve que les cartes sont pas incroyables. En tout cas, bah, j'espère que avec l'arrivée de Flamme Obsidienne, ce sera un peu différent. On verra quand les cartes sortiront. Et il y a les 151 Pokémon aussi. Donc ça m'intéresse. Je verrai au niveau des cartes aussi. Donc on va commencer tout de suite avec l'ouverture des coffrets. Donc le coffret se présente comme ceci. Bon, de toute façon, il n'est pas nouveau. Je pense que vous avez déjà dû le voir sur YouTube. Donc dedans nous avons la carte Keldeo, qui est franchement hyper belle. Très jolie. Et nous avons bien évidemment Viridium V. Nous l'avons aussi du coup en carte jumbo qui ne rentre absolument pas dans le cadre, mais vous avez compris que c'est la même. Et à l'intérieur, nous avons 4 boosters, donc 2 origines perdues et 2 astres radieux. Du coup, je vais commencer à ouvrir les boosters origines perdues. Si je me souviens bien, c'est 4, ça fait longtemps que j'ai pas fait d'ouverture. Mais il me semble que c'était ça, ouais, 4. Alors, énergie. Dodoala. Cardus. Archéodong. Scorplane. Brocélome. Simularbre. Archéomyr. Dynavolt. Archéodong en reverse. Et Corbos. Bon, on commence avec juste une carte rare. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié qu'il y avait les contours blancs et les contours noirs. Les contours blancs, on a peu de chance d'avoir quelque chose, mais c'est pas grave. Alors, énergie, Armulis, Machopper, Graham, Cornèbre, Chenipot, Mélofée, Excellangue, Hippotrempe, Ronflex en reverse, c'est pas mal, on a un Ronflex déjà, et Lugulabre en holo. Bon, on a une holo, c'est déjà pas mal. Bon, pour l'instant, c'est crescendo, donc si on continue comme ça, ben, c'est parfait. On aura une carte ultra rare. Super ouverture de booster. Le booster ne voulait pas s'ouvrir. Énergie. Machopper. Énergie cadeau, Blizzaroi, Larvadar, Écaillon, Mimigal, Paras, Sepiatop, Ectoplasma en reverse, et une V du coup je pense. Et Goupelin en V. Ça va, c'est un bon Pokémon Goupelin quand même. Il est pas mal. «
Et donc, dernier booster, Origine perdue. Énergie, pompe à dégâts, sévipère, l'immonde de Galar, love disc, hexadron, petit art, scorplane, mucuscule, machoke en reverse et Cresselia en holo. Bon, Cresselia c'est un bon Pokémon quand même, je l'aime bien, je trouve qu'elle est belle. Bon, du coup, pour Origine perdue, bah, on est vraiment perdu. On va passer à Astre radieux. En plus, j'avais quand même, trois cartes avec le contour noir. Mais bon, ça ne veut pas forcément dire grand-chose. Énergie, Dinoclier. Créelf, Quilpic de Hisui, Apitrini, Baudrive, Psychoquack, Togepi, Tarsal, Plumeball en reverse et Registeel. Bon, le premier booster n'est jamais le meilleur. Pas chez moi en tout cas. Énergie, Sika, Yann Mega, Marais Bouche B, Psychoquack, Chlorobulle, Serfrousse, Grelasson, Hippopotasse, Teddy Ursa en reverse. Ah, intéressant! Et Fragile Lady de Hisui V en Full Art. Ça c'est cool. On a une full art quand même. En plus ça va, Fragile Lady de Hisui, franchement. Elle est pas mal du tout. On continue. Non mais du coup, vu que j'ai une foulard, quoi, je me dis qu'il y a peu de chances que j'ai autre chose quand même. Énergie. Roxane. Kirlia. Lino. Grelasson. Furéglon. Pijaco. Ponyta. Archéomir, Arcanin de Hisui en reverse et Charcos en holo. Le retour des holos, émeraude et ses holos. Ça ne change pas ça. Toujours autant de holos dans les boosters. Et donc dernier booster, Astre radieux et de cette vidéo. S'il te plaît, Palkia. Donne-moi une bonne carte. Tu es mon dernier espoir. Non, j'ai eu une full art, ça va, mais si je pouvais avoir encore plus, ce serait bien. Énergie. Plumeball. Créelf. Loterie d'énergie. Ponyta. Krixik. Psychoquack. Chlorobulle. Serfrousse. Archéodong en reverse et Bastiodon en holo, c'est ce que je disais, le retour des holos. Ça m'avait pas manqué ça par contre. Hein. Vous auriez pu me donner autre chose. On va du coup comme d'habitude, hein, les coffrets, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux à ouvrir.
C'est pas mal quand même, j'ai eu une, comment ça s'appelle, une full art. J'ai eu une full art, donc en plus Fragile Lady, ça va. C'est un beau Pokémon, je trouve, donc voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo, merci d'avoir regardé. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner ou à la liker. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Bye!